Bonsoir tout le monde. Non, je suis avocat Bianca. Je suis avocat immigration pour Boston. Je suis aidé immigrant tout le monde avec 4 résidences, asile, déportation, 4 travail et puis m'aider les gens venir citoyens américains. Si vous voulez discuter de dossier immigration nous avec moi, nous mettrons les points en consultation. Le numéro de téléphone c'est 508-942-74-97. Si nous pas États-Unis, nous mettrons les moyens ou soit voyez un message pour moi dans WhatsApp pour nous parler. Vidéo ça me fait pour nous aujourd'hui, c'est de qui ça va passer si DACA avec TPS fini. Nous déjà connaît que TPS pour Haïti a fini 4 janvier 2021 et puis DACA président essayé terminer DACA depuis 2017. Mais la Cour suprême nan, pral fon décision sou DACA, yo pral décider, yo ka fait une ou trois décisions sa yo. La Cour suprême nan ka décidé que yo pa gen autorisation pour yo pa gen autorité pour yo fon décision sou dossier an. La Cour suprême nan ka dit que oui, yo gen autorité pour yo faire une décision pour sou dossier sa et puis yo d'accord avec administration sa que administration ka termine DACA. Ou bien la Cour suprême a dit que yo gen autorisation pour yo ka fon décision sou dossier an et puis yo pas d'accord que président ka termine DACA. Mais an nou fè pause que la Cour suprême nan et puis yo gen pour yo fè décision yo en juin avant yo al en vacances pour yo retourner en octobre. So an nou fè pause que la Cour suprême nan d'accord avec administration ça et puis yo dit que oui, administration ça gen pouvoir pour yo terminer DACA. Qui ça ka passé? Moun ki te gagné DACA, yo pa retourner nan statut yo te gagné avant yo te vin tourner DACA. So par exemple, si tu entré nan pays illégal, là tu piti, là ton ti moun, ou pa retourner nan même statut ça. Si tu entré avec un visa 5 ans et puis visa ça vin expiré et puis kounya vin tourner gagné DACA, ou pa retourner nan statut avec visa qui expiré. Et puis même avec TPS, j'aime te dire là, TPS pour Haïti pa fini 4 janvier 2021. Si TPS pour Haïti fini, moun ki gen TPS pour Haïti an, yo pa retourner nan même statut yo te gagné avant yo te vin joindre TPS. So sou te entré illégal, ou pa retourner comme moun ki te entré illégal. Sou te entré avec visa et puis kounya visa vin expiré, ou pa retourner nan statut comme moun ki te entré avec un visa qui expiré. Moun ki te nan déportation avant yo vin joindre DACA avec TPS, nous pensons que c'est moun sa yo gouvernement pral essayer déporter avant parce que nous déjà gen dossier dans immigration, nous te déjà dans court immigration, nous déjà dans déportation dans immigration et juste que te mette dossier nous sous pause pour nous te ka vinn joindre DACA ou bien TPS. So gen un pile avocat qui pensait que c'est moun sa yo que gouvernement pral essayer déporter avant parce que li pi facile pour gouvernement juste réouvrir dossier sa yo que pou yo joindre tout l'autre monde pou yo vinn mettre moun sa yo dans déportation. So si ça arrive ou si ouè que TPS vinn fini en janvier et puis kounya vinn joindre tête tout dans déportation, là très important pour travailler avec un avocat immigration pour représenter ou dans déportation parce que gagne pile moun qui pral aller dans déportation, gagne pile moun qui gagne DACA avec TPS qui pral joindre tête dans déportation mais yo gagne défense pour déportation. Par exemple, sou rete nan peyi an ou pa gen ken status ou pa gen kad rezidans, c'est pour nan peyi an pour 10 ans ou ka aplike pour un bagay ki rele cancellation de removal et puis sou gen dossier lan y a ba ou un kad rezidans 10 ans mais faut ka travaille avec un avocat immigration pour ka vraiment faire dossier lan pour ka wè sou te ka qualifié pour bénéfice ça. Gen pile lot bénéfice avec défense pour déportation, pa discuter dans vidéo ça parce que m pa discuter dans l'autre vidéo. Mais gen pile moun ki pa joindre tête dans déportation, so il est très important pour travailler avec avocat immigration, il est très important pour parler avec un avocat immigration kounya pour ka konnen ki ça ou ka fè ki qualité de bagay ou ka commencer faire jodia ki ka aidé ou pour si zan ka ou ta joindre tête dans déportation parce que j'aime dou lan gen pile moun ki gen pile option et pas seul TPS seulement gen pile moun ki ka joindre l'autre bénéfice immigration gen moun ki gen TPS avec DACA ki ka changer statut pour vinn joindre un visa nan men on travail ou bien nan men
en famille, yo te ka vin aplike pou kat rezidans, ki an pil lot opsyon moun genyen si yo gen DACA avèk TPS, so li trez epotan pou pale avèk kon avoka emigrasyon kounya, pou ka wè sou ka chanje statüs ou, bien sou ka wè sou ka vin jwen an kat rezidans, ou bien menm si ou pa genyen an moun ki ka fil pou, ou pa mari, ou pa gon moun nan fami, ou pa gon travay ki ka fil an aplikasyon pou an kat rezidans pou ou, ou stil ap gen defans pou deportasyon, ki yon avoka ka defan nou, avoka ka mande jujan pou yo ba ou benefis imigrasyon sa pou ka wè sou ka rete Etajini toujou. M souwete ke video sa ede nou, sil vou pre pataje li avèk zanmi nou, avèk fami nou, moun ke nou konen ki ka bien merite tan de informasyon sa nou, epi sou gen ken kesyon sou DACA avèk TPS, m deja fon pil video sou TPS, men sou ta gen kesyon sou DACA, ou bien sou gen lot kesyon sou TPS, ou bien sou ta vle jous pale avèk men de dosye parlan, ou mandre le men an 508-942-74-97, sou pa Etajini ou mandre le men an WhatsApp. Mersi.